the closing doors, please. This is a World Trade Center bound E train. The next stop is 42nd Street, Port Authority Bus Terminal. Stand clear of the closing doors, please. Salut Patrick, tu m'entends? Bonjour Guillaume, je t'entends super bien, c'est comme si tu étais à côté de moi. Écoute, en tout cas, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid chez toi qu'ici. Ah, ça caille. Et je ne peux pas mettre mes gants parce que sinon je ne peux pas appeler le téléphone, alors je souffre un peu, mais bon, ça va. Ben, merci d'être venu alors à Times Square, je crois. Oui, on est tout à fait à Times Square et c'est moi qui dois remercier parce que c'est une des premières fois que je peux guider de nouveau depuis le mois de mars. Alors, je suis très content et je suis impatient de vous montrer pas mal de choses. Ah bah écoute, on est tous très impatients. Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette balade. Hein. D'habitude, Patrick ne prend pas des groupes aussi grands, je crois. Et donc, c'est chouette d'être beaucoup aujourd'hui pour aller se balader à New York. Et raconte-nous un peu où tu as prévu de nous emmener aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais en fait, premièrement, je veux bien me présenter. Moi, c'est Patrick, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 12 ans que je vis ici à New York. Je viens d'un petit village tout près d'Anvers qui s'appelle Edegem. Mais j'ai fait une partie de mes études à Tournai. Et ensuite, je suis parti en France pour continuer mes études et surtout aussi pour apprendre le français. C'est pour ça mon petit accent et c'est pour ça aussi, de temps en temps, je fais des petites fautes. Je suis fou passionné de cette ville. C'est pour ça que j'ai écrit même quelques livres. Et tous les jours, avant la pandémie, bien évidemment, j'avais le plaisir et l'honneur de pouvoir amener des clients de Connections ici à New York. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous amener ici sur Times Square. Pour ceux qui ne connaissent pas New York considère en fait à 5 boroughs, c'est 5 quartiers distincts. On a Manhattan, le Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. Et en fait, en ce moment, on se trouve à Manhattan et vraiment au milieu, qui s'appelle Midtown Manhattan. Et c'est le quartier mieux connu comme Times Square. Mais ça, on va voir tout de suite. Mais premièrement, je vais vous amener à un nouveau truc qui vient d'ouvrir pendant la pandémie. Vous savez, il y a vraiment des délicatesses ici à New York. Et en fait, le donut, c'est quelque chose qui est le plus connu, surtout chez les policiers et les sapeurs de pompiers. Et en fait, il y a un flagship store qui vient d'ouvrir et qui est ouvert 24 sur 4. Mais avant de rentrer, je suis très curieux parce qu'on est tellement nombreux de savoir d'où venez-vous en Belgique. Si vous voulez mettre dans les petits messages, comme ça, je peux lire tout à l'heure de voir d'où vous venez. Donc Patrick, je continue aussi à dire, n'hésitez pas donc à poser toutes les questions que vous avez pendant cette balade via le Q&A. Et comme ça, je me ferai un plaisir de les relayer à Patrick et il les voit aussi en direct. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, c'est vraiment le plus facile, c'est via le Q&A. Et je propose qu'on aille un peu voir ces donuts alors. Oui, tout à fait. On va y aller. Je vais tout d'abord, parce que bon, il y a toujours un pandémique, je vais mettre mon masque. Sinon, je ne peux pas rentrer. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on a eu 3 grandes vagues. Mais en fait, New York, c'était très dur au mois de mars. Mais depuis lors, en fait, ça va. Mais bon, avec le Thanksgiving qui était jeudi dernier, on craint qu'on va avoir une nouvelle vague de corona. Mais bref, j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si tu as entendu ça aussi Guillaume, que l'Angleterre va déjà commencer à distribuer les vaccins. Alors c'est une très bonne nouvelle. Alors j'espère que
L'année prochaine, on va pouvoir voyager de nouveau vers le monde entier. Non, je crois qu'on est assez optimiste. En Belgique, on va commencer vraisemblablement en janvier. Ça va bien se passer. Je vois entre-temps qu'il y a beaucoup de personnes un peu de partout en Belgique. On a des gens de Knokke, de Bastogne, de Sombref. J'ai vu quelqu'un de mon village de Gré-d'Oiseau qui est connecté. Bonjour à Didier particulièrement, puisque c'est un de mes voisins. Et voilà. Et donc, tu disais, Patrick, ouais, que le magasin est ouvert 24 heures sur 24. Oui, c'est 24 heures sur 24. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut voir en live, en direct, je ne sais pas si vous pouvez le constater, qui met le glazure au-dessus des donuts. Oh, wow. C'est la machine, c'est en fait le sucre qui est là en blanc. Et en fait, bien évidemment, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne ici dans le magasin. Je crois qu'on est les seuls Belges maintenant ici sur Times Square. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont spécialement pour ce magasin créé un donut exceptionnel. Mais qui est très cher. Et ça, je peux vous dire, il coûte 12 $, si je ne me trompe pas. Waouh. Et c'est à quel goût alors ce donut C'est en fait en forme de apple, et c'est très sucré, et c'est un tout petit peu cerise, le goût de cerise. Ok. Je vois, comme on est en train de parler de nourriture, ici, il y a Marjo et Fred qui nous demande s'il y a beaucoup de magasins fermés. Et alors, moi, je voulais aussi te demander, donc, finalement, est-ce que… Mais non, les magasins ne sont pas fermés. Hein. Et alors, au niveau des restaurants, est-ce que les restaurants sont ouverts, là, maintenant? Tout est ouvert. Les magasins, les restaurants, tout est ouvert. En fait, bon, c'est sous restriction. Hein. Tout le monde doit mettre un masque. Il y a du hand sanitizer un peu partout, et comme vous voyez ici. En fait, les restaurants sont obligés d'avoir une terrasse dehors. Ils ne peuvent pas avoir des gens à l'intérieur du restaurant. Mais tout est ouvert. Il n'y a rien de fermé. OK. Donc, les gens maintenant mangent en veste et en bonnet dehors. Alors. Et tout à fait. Tout à fait. Et en fait, je ne comprends pas vraiment, parce que maintenant, quand on voit les cabanes qui met au-dessus des terrasses, c'est un tout petit peu comme des restaurants à l'intérieur. Mais bon, c'est les New-Yorkais, je crois qu'ils sont un tout petit peu comme des Belges. Ils sont très débrouillards et ils trouvent toujours des solutions pour gagner un peu de sous. Mais bon, ça, nous, on connaît aussi. Hein. Oui. Maintenant, on voit que c'est quand même, les rues ont l'air quand même plus calmes que d'habitude. Hein. Je crois que pour ceux qui ont déjà été à New York, c'est pas la même chose. Il y a encore, on entendait qu'il y avait beaucoup de New-Yorkais qui avaient quitté la ville. C'est le cas en réalité ou finalement, il y a quand même du monde? Tout à fait. En fait, c'est les gens qui ont les moyens. Ils ont tous parti vers leur maison secondaire plus dans la nature. Et parce qu'il y a quand même les écoles qui sont fermées en ce moment. Et quand on est tout le temps 24 sur 24 avec les enfants, ce n'est pas toujours évident. Et si on a une maison secondaire avec un tout petit peu plus de place, on n'y dirait pas une seule seconde. Et en fait, j'ai l'impression que c'est les ouvriers, les pauvres comme moi qui doivent rester et qui ne peuvent pas partir. Mais bon, ce n'est pas grave parce que je trouve qu'il y a quand même une énergie dans cette ville qui est un peu particulière, mais il y a quand même une bonne énergie. Tout le monde aide tout le monde. Et voilà, New York est sans touristes et un peu spécial. Et évidemment, on manque les touristes énormément, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de New-Yorkais qui redécouvrent leur propre ville. Oui, et alors, en parlant du fait qu'il y a moins de gens, les hôtels sont quand même ouverts là pour l'instant dans New York. Il y a Fran qui nous demande ça. Tout à fait. Tous les hôtels sont ouverts, Fran. Mais en fait, ils sont adaptés. Comme j'ai expliqué, que pas mal de gens travaillent à la maison, pas mal des jeunes et des enfants doivent suivre les cours sur Zoom. Et par exemple, ma fille qui a 5 ans, aujourd'hui, elle a 4 leçons sur Zoom. Et c'est pour ça que pour pas mal de gens, c'est un peu compliqué de faire ça à la maison. Alors, les hôtels, maintenant, sont vraiment focus sur ces gens-là. On peut louer des chambres pendant la journée. Comme ça, on peut travailler dans un hôtel tranquillement, sans les enfants, sans la femme.
Et voilà, et c'est pas très cher, vu que la concurrence est très rude. Mais les hôtels sont ouverts. Et maintenant, il y a toujours une quarantaine si on veut rentrer dans l'État de New York ou pour les gens qui viennent des autres États ? Si je ne me trompe pas, oui, effectivement. Il y a toujours une quarantaine. Et en fait, la quarantaine est vraiment très, très, très stricte, contrôlée en fait. Mon fils, qui a 1 an et demi, a malheureusement eu le corona et le virus. Et en fait, il y a le track and trace qui marche énormément. Le service est incroyable. En fait, ma femme était en ligne quand on a constaté qu'elle a fait le test et qu'il a eu le corona. Une minute après, j'étais déjà au téléphone avec Track and Trace. On m'a envoyé pas mal de marchandises pour me protéger et pour protéger les autres. Et même, il y a un service où on livre la nourriture à la maison. On peut même avoir des nuitées à l'hôtel gratuit. Si vous n'avez pas Internet, la ville vous offre Internet pour être sûr que vous restez à la maison. À ce niveau-là, New York est très, très, très bien organisé. Et top. Et il y a Marjo et Fred qui nous posent encore une question et qui nous demandent si au niveau des transports en commun, métro, taxi, bus, est-ce que tout fonctionne normalement? En fait, oui. Mais le métro, ils l'ont fermé. Et normalement, le New York, le métro est très connu. Que c'est le seul métro au monde qui est ouvert 24 sur 7. Et en fait, maintenant, ils l'ont fermé de 1h du matin jusqu'à 5h. Mais je ne suis pas à 100%, c'est toujours en place. Parce que j'avoue, à ce moment-là, je dors déjà. Et, je ne prends plus le métro et le resto et les bars et les clubs de nuit doivent fermer aussi très tôt aussi. Mais ils l'ont fermé parce que la ville a surtout ici besoin d'argent. Ça, on voit que la ville a besoin d'argent. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui aiment bien fumer un tout petit peu de l'herbe parce que, en fait, notre bourgmestre a dit qu'il va autoriser et légaliser l'herbe ici aux États-Unis, ici à New York, parce qu'il a honnêtement dit qu'on a besoin des taxes qui sont sur cette drogue. Et j'ai cru entendre que tu avais eu un ticket parce que tu étais mal garé avec ton Vespa, non? Ah oui, ça c'était, ouais, ça c'était quelque chose. Et normalement, mon Vespa, je garde un tout petit peu partout et je mets une sorte de page au-dessus. Et les polices, ils sont un peu paresseux en général et ils laissent. J'espère qu'il n'y a pas de policiers ici dans le groupe. Non, on a vérifié. Évidemment, je parle bien à la police à New York. Hein, mais en général, quand il y a une bâche, ils laissent mon scooter tranquille. Mais pas maintenant, ils ont besoin d'argent. Et là, tout de suite, ils ont pris mon Vespa et ça m'a coûté en total 350 $. Et c'était sur Black Friday, alors j'étais très triste parce que j'étais tellement content que j'avais trouvé un jeans de Levi's à moins de 60%. Mais finalement, le jeans a coûté très cher, très, très, très cher. Et ici, on a encore reçu une question d'Éléonore qui nous demande au niveau resto. Donc, tu vois qu'on est toujours en tant belge, toujours intéressé juste par la nourriture. Hein. Je comprends, si la nourriture européenne coûte plus cher à New York finalement que les autres types de nourriture. Et Éléonore, bien évidemment, la cuisine européenne est plus chère qu'en Europe, mais ça dépend aussi. Il faut savoir que New York a quand même 23 000 restaurants et on peut manger pour tous les budgets. On peut manger des pommes frites belges dans un vrai frit cut, parce qu'il y en a plusieurs maintenant qui sont même ouverts récemment pendant la pandémie. Mais on peut aussi manger dehors, mais sur 5e Avenue, par exemple, des frites qui sont beaucoup plus chères. Mais voilà, c'est pour tous les budgets. Mais en général, comme par exemple le vin français, et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vient de la France. Bonjour la France. Mais le vin, c'est beaucoup plus cher. Le vin français, surtout, c'est beaucoup plus cher qu'en France ou en Belgique. Ouais. Okay. C'est pour ça qu'ici, on essaie de stimuler surtout le vin californien. Alors ici, je crois que tu n'es pas très loin de Broadway, hein, si je ne me trompe pas. Mais en fait, je suis exactement sur Times Square et tu as tout à fait raison, Guillaume. Là, c'est Broadway. Broadway vient d'un chemin qui est très lâche, un Broadway. Et qui, c'est en fait la seule avenue qui va complètement de downtown Manhattan jusqu'à même le Bronx. Pour le reste, en fait, le plan de New York est assez facile. C'est 220 rues, 12 avenues.
Et 5e avenue coupe en fait la ville entre East et West. Et on sait qu'on a un côté East, on a un côté West. Et c'est 5e avenue qu'on va de loin voir tout à l'heure qui coupe. Et en fait, on est vraiment là où il y a chaque année, sauf cette année, le fameux ballon descend pendant la fête de Saint-Sylvestre. En général, il y a plus d'un million de gens qui sont ici en train d'attendre dans le froid pour la fameuse descente. Et la descente dure exactement 60 secondes. Il faut être complètement fou pour attendre ici dans le froid. Et il faut faire comme maintenant tout le monde va le faire virtuellement ou devant votre télé tranquillos. Ça va être beaucoup. En fait, le quartier ici, Times Square, c'est aussi le quartier où il y a tous les théâtres Broadway. Quand je tourne la caméra, vous allez voir ici, c'est un plan de ce quartier. C'est aussi tous les noms des théâtres. Il y en a 42 ou 43. Ils sont fermés en ce moment. Mais en fait, c'est le seul endroit dans le monde où il y a tellement de Broadway shows et de Broadway théâtres. Qu'est-ce que c'est un Broadway théâtre? C'est tout simplement quand il y a plus de 500 places. Quand il y a plus de 500 places, ils peuvent avoir le nom Broadway Theater. Et quelque chose que moi j'adore, c'est qu'en fait, tous les Broadway shows, ils ont commencé à être construits juste après la grande crise du 29. Il faut savoir que les États-Unis ont déjà eu plusieurs crises. La crise de 29, la crise boursière était horrible. Il y avait beaucoup de chômage. Et en fait, c'est après cette crise qu'il y a une énergie qui est venue dans cette ville. Et c'est là où les gens ont commencé à faire la fête. C'était aussi la fin du Prohibition, et la période où on ne pouvait pas boire d'alcool. Et cette énergie a créé en fait pas mal de choses positives. Et en fait, moi j'ai le sentiment, je ne sais pas vous, mais moi j'ai le sentiment, après cette pandémie, quand tout le monde est vacciné et qu'on peut travailler et voyager librement, et avoir des belles choses qui vont arriver. Je crois que tout le monde a marre d'être à la maison. Alors on va profiter, pas une fois, deux fois, peut-être cinq fois plus. Et les shows Broadway, c'est un bel exemple. Il y avait, en parlant des shows, il y avait une question qui était à entrer par de Étienne et Anne Charlotte qui nous demandaient si d'autres attractions sont accessibles. J'ai vu que tu as été dans une nouvelle attraction l'autre jour en haut d'un gratte-ciel, je crois. Oui, tout à fait. Le Edge, bon, j'avais eu des tickets, mais je ne suis pas rentré parce qu'il y avait trop de monde. Mais en fait, toutes les attractions en général sont ouvertes, sauf les Broadway shows. Mais Madame Tussaud, même les double deck et les bus à deux étages. À deux étages. Et, c'est, et les cinémas, il y a Betty qui nous demande si les cinémas sont ouverts. Bonne question, j'ai pas les vérifier et je peux pas répondre. Là, je crois, mais je suis pas sûr que c'est pas ouvert. Alors en Belgique, je viens de voir, c'est un sapin quand tu viens de passer là, non? Il n'y a pas un sapin dans une poubelle, là, juste derrière toi? Ouais. Je ne sais pas comment votre sapin chez toi a l'air, mais... Non. En Belgique, on a maintenant, tout le monde a commencé à mettre les décorations de Noël là beaucoup plus tôt. Et on a une question ici qui nous demande si le sapin, le célèbre sapin devant le Rockefeller Center, est-ce qu'il est déjà prêt? Tout à fait. En fait, il est prêt. On a bien rigolé avec ça aussi parce qu'il avait l'air très triste. Et en fait, tout le monde, comme ma fille et mon fils, voilà, appréhende d'aller voir le sapin. Et quand il est arrivé, il était vraiment très triste. Et pour beaucoup, c'était ça, la petite goutte qui fait déborder la vase, c'est que 2020, il faut que ça termine. Mais bon, ils ont des astuces pour ça. Ils ont mis des branches supplémentaires, ils ont mis beaucoup de lumière et maintenant il est top. Ah super. Dis, ouais. Jacqueline et Eric nous font la remarque qu'ils voient personne avec des masques. Ben, les masques sont obligatoires ou pas du tout? Oui, c'est obligatoire. Et en général, tout le monde le porte, surtout les New-Yorkais. Bon, moi je le porte pas parce que je suis en train de parler avec vous, mais tout le monde le porte dans les magasins, c'est sûr et certain. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de touristes américains qui viennent des autres États et eux, en général, ils ne portent pas de masque.
Comme par exemple, il y a pas mal de gens de New Jersey qui viennent ici faire du shopping, etc. Et ils n'ont pas l'habitude de mettre le masque. Mais j'ai l'impression que les New Yorkais même, qui vivent et qui habitent ici à New York, qui est dans un des 5 boroughs, tout le monde le porte. C'est pour ça aussi qu'en fait, c'était pendant le mois de mars, c'était une catastrophe et les hôpitaux étaient débordés. C'était vraiment très stressant. Mais depuis, on n'a pas eu de problème en fait. Jusqu'à maintenant, je touche du bois, mais jusqu'à présent, ça va. Mais bon, mais Thanksgiving, il y a pas mal de gens, Black Friday, il y a pas mal de gens qui ont voyagé et qui ont fait des shoppings. Alors, tout le monde craint que va avoir une deuxième vague. Bah, nous, l'image qu'on a de New York en Europe par rapport à la pandémie, c'est que ça a été quand même relativement bien géré après la première vague et que les New-Yorkais avaient un sens de la responsabilité, peut-être plus que dans certains autres États où ils avaient l'impression que c'était un hoax, c'était quelque chose qui n'existait pas, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et bon, on a aussi à New York quelqu'un qui va nous sauver si on a vraiment des problèmes. C'est Batman qui est ici devant. Et c'est pour ça que je me suis jamais senti vraiment en danger. Vous voyez, hein, ils vendent des tickets pour leur Bonopop. À mon avis, ils ne peuvent pas vendre beaucoup. Et voilà. Eux là, bien évidemment, ils sont là pour toucher un petit peu de pourboire. D'ailleurs, Guillaume, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas, il y a le fameux Hard Rock Café. Et en fait, le Hard Rock Café est très connu parce que c'est l'endroit où Frank Sinatra a fait son premier concert ici à New York. Et maintenant, je dis toujours, si vous voulez manger un mauvais hamburger, hein, c'est là qu'il faut être. C'est bien évidemment exagéré parce qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais c'est surtout connu, bien évidemment, pour acheter des souvenirs et des t-shirts avec le nom Hard Rock Café. Et c'est des t-shirts qu'on peut uniquement acheter ici. Juste à côté, c'est un restaurant qui est très connu. Pas le Taco Bell parce que ce n'est pas encore ouvert. Ça va ouvrir bientôt. Et je crois que c'est un pop-up shop parce que c'est la première fois que je vois ici Taco Bell. Mais au-dessus, il y a le fameux restaurant qui est connu dans Baba Gump. On peut manger des crevettes. Ouais, okay. Baba Gump, qui est très connu avec le film avec Tom Hanks. L'armée américaine a mis ici sur Times Square un petit bureau. C'est pour recruter les soldats. Je vois plus ta vidéo, Patrick. Ah, voilà, super. Ah, pardon. Bon, c'est bon maintenant. Ouais, OK. Mais en fait, c'est ici si vous jamais voulez joindre l'armée américaine. Et c'est là qu'il faut être. D'ailleurs, Times Square, c'est surtout connu, je crois que vous voyez, hein, pour les pancartes publicitaires. Il y en a partout. Et en fait, ce que pas mal de gens ne savent pas, c'est que derrière les pancartes publicitaires, il y a en fait des bureaux. Et c'est l'endroit où les New Yorkais viennent travailler. Il y a deux centres d'affaires ici à New York. C'est Downtown Manhattan, où il y a le One World Trade Center et les fameuses fontaines, les cascades d'eau. Et ici, Midtown. Mais maintenant, c'est un tout petit peu mort parce que quand même, la plupart des gens ont décidé de travailler à la maison. Et tout se fait maintenant sur Zoom, même les tours virtuelles. Mais il y a encore... Je sais que pour bien aimer l'hiver et pour bien aimer New York en hiver, il y a beaucoup de patinoires, hein, je crois, en ville. Elles ont ouvert de nouveau cette année-ci aussi? Tout à fait. On le voit d'avoir... si vous restez jusqu'à la fin, on va pouvoir voir la patinoire qui est un des plus connus. C'est celui-là de Bryant Park. Mais il y a aussi une patinoire qui est juste devant le Rockefeller Center. Et il y a un qui est en fait sponsorisé ou qui était sponsorisé par M. Trump. Et les New Yorkais n'étaient pas du tout contents. Mais en fait, maintenant, il a décidé de plus sponsoriser. Et c'est la patinoire qui se trouve dans la Parc Central. C'est le Wolverine Wing. Ce ne sera plus le Trump Ice Skating, alors? Non. D'ailleurs, c'est une des raisons parce qu'en fait, je suis belge-américain. J'ai deux passeports, un tout petit peu comme James Bond. Mais c'est une des raisons pour que je suis devenu américain. C'est pour pouvoir voter. Et on est très contents. D'ailleurs, c'était... une blague qui est passée entre les New-Yorkais, c'est la victoire de M. Biden, notre président, a même fait bouger les New-Yorkais pour venir ici sur Times Square, qui est normalement pour eux un endroit de travail, et ils viennent ici pas pour le plaisir. Mais avec la victoire des élections,
ici, c'était plein craqué. Tout le monde était en train de danser, en train de chanter. J'ai même vu, Guillaume, des gens qui étaient en train de pleurer de joie parce que tellement on était content qu'on ait libéré de M. Trump. Ouais. Non, c'est, et tiens, on avait une question qui rentrait ici de Eric qui nous demandait si y avait beaucoup d'aides qui étaient proposées pour les New Yorkais. Parce que je crois que le coût de la vie quand tu as un appartement ou quand tu vis à Manhattan, ce n'est pas bon marché, je crois. Hein. Non, tout à fait. Moi, je suis très transparent. Je paye toujours 2008 pour deux petites chambres à Queens. Mais ce qui est bien, c'est que grâce aux pandémiques, le landlord, c'est la propriétaire, m'est venu me voir et m'a proposé de diminuer le rent avec $150. Parce qu'en fait, nous, on peut rompre le contrat mois par mois. Et elle m'a dit, si je signe un contrat pour un an, elle va diminuer de $150. En fait, moi, j'ai fait un tout petit peu mes recherches. Elle est très maline, la propriétaire, parce qu'apparemment, en ce moment, on peut négocier jusqu'à 3 mois gratuits plus une baisse de $150 par mois. Alors, j'ai encore une discussion à faire avec elle. Et sinon, ici, tout le monde peut avoir accès à de la nourriture. Ça, il n'y a aucun problème. Si vous n'avez pas de l'argent pour de la nourriture, on vient même le livrer chez vous. Et il y a aussi maintenant pour des indépendants, unemployment qui est offert, qui n'est pas beaucoup, $157 par semaine. Mais bon, c'est quand même un tout petit peu. Et pendant 3 mois, ils ont augmenté de $500 par semaine. Et là, ça, c'était quand même intéressant parce que c'est quand même $650 pendant 3 mois qu'on a eu pour survivre. Mais bon, New York est très cher, surtout aussi les assurances maladie. Quand on fait le calcul, en dessous de $5,000 avec une famille, on ne peut pas vraiment vivre ici. Mais bon, je crois qu'il y a un peu moins d'imposition au départ que ce qu'on a en Belgique, hein. Non? 30% je paye. En fait, avec Trump, c'est même augmenté. C'est uniquement les super riches qui ont profité et qui ont eu une baisse de taux, mais les simples guides comme moi, non, c'est même augmenté. Ok. J'avais encore une dernière question par rapport à la pandémie et puis je propose qu'on se déplace effectivement. C'était juste, on avait plusieurs questions qui rentraient par rapport au port du masque. La police ne fait pas de sanctions quand les gens ne portent pas le masque en rue alors? En rue, non. Je n'ai pas encore vu et je n'ai pas encore… Il ne faut pas oublier non plus qu'en ce moment, on a un mouvement qui s'appelle Black Lives Matter et qui était aussi un tout petit peu contre la violence de la police. Et en fait, on a l'impression que… d'ailleurs, là, ils sont en train de passer une autre voiture. C'est pas ton scooter, ça. C'est pas mon scooter, heureusement. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pardon, Oui, les contrôles de la police par rapport au masque. Oui, la contrôle de la police, masque. En fait, on a l'impression qu'après le Black Lives Matter Movement, que la police est devenue beaucoup plus tranquille et ils font moins d'efforts pour impliquer la loi. Ils sont beaucoup plus tolérants. Je crois que le message a bien rendu chez la police également. Mais voilà, mais sauf si par exemple, si vous allez rentrer dans un magasin et vous ne portez pas de masque et vous devenez un tout petit peu agressif, la police va venir bien évidemment. Hein. Le magasin, le propriétaire de magasin peut impliquer et forcer le fait d'être obligé de mettre un masque. Alors, j'ai quatre qui nous demandent, pour toi, c'est quoi le plus chouette quartier pour vivre à New York? C'est l'endroit où moi j'habite. c'est long à un site Queens. Non, je rigole pas, hein, parce qu'on est en train de regarder de tous les côtés, mais long à un site Queens, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait ensemble avec Connections, le tour de Come as a Traveler Goes in New York. À la fin, je les amène tout près de chez moi. On prend le métro jusqu'à Long Island City, Queens. C'est uniquement un stop de Manhattan, de la gare centrale. Et on a vraiment une oase de tranquillité. C'est tranquille.
on peut marcher vers l'eau parce qu'il faut savoir que Manhattan est complètement entouré par l'eau. Et de l'un côté, c'est la Hudson River. De l'autre côté, c'est le East River. Et on peut faire des selfies là-bas pour rendre toute la Belgique jaloux parce qu'on a vraiment la plus belle vue sur Manhattan. Et c'est vraiment c'est quelque chose que je recommande à tout le monde vivement. Quand vous venez ici à Times Square et vous allez visiter la gare centrale, prenez le métro, un stop à Long Island City, Queens. Et d'ailleurs, il y a un endroit que je trouve que c'est un des meilleurs pizzas, qui est son très bon marché pour un slice, et c'est très grand, c'est Slice Pizza dans Long Island City, Queens, et c'est phénoménal. Alors moi, je vous conseille d'aller acheter un morceau de pizza en sortant du métro, balader vers l'eau et après prendre des photos et profiter du vu que vous avez de ce côté-là. Il y a Thierry Robinski qui nous demande ici si le quartier de Sceaux vaut la peine. Sceaux, c'est fantastique. C'est très axé sur le shopping. Alors Thierry, si tu aimes bien faire le shopping et ta femme aime bien faire du shopping, c'est là qu'il faut être. Ça a aussi très un côté glamorous, et c'est très de glamour. Mais en fait, j'ai quand même l'impression que les quartiers sont en train de changer un tout petit peu. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler sur un nouveau livre, mon quatrième, parce que je crois que le pandémique a fait changer la ville. D'ailleurs, on vient de passer, c'est pas si vous pouvez voir, BXL Café, un bar belge où on peut manger un duvel et un lachouf au fût. Il y a pas mal de trucs, de choses belges ici, comme la bière belge. Mais non, j'ai l'impression que la ville est en train de changer énormément. Et c'est pour ça que je suis très content que j'ai pu rester ici dans cette ville pendant cette pandémie et que je peux observer à tout moment les endroits qui changent. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Instagram, quasiment tous les jours, je fais des updates et quand je découvre quelque chose de nouveau, je le mets sur Instagram en direct parce qu'il y a des nouveaux trucs qui ouvrent et il y a des choses qui changent tout le temps. Je voyais que Catherine disait qu'elle avait été voir un match des Diables Rouges dans le Bruxelles Café. Donc, Voilà. Et il faut venir à New York pour voir un match des Diables Rouges dans un bar belge et dans un resto belge avec une bonne moule frite avec la mayo belge. Là, on est arrivé à un très beau immeuble qui est ici, la police qui dit bonjour. Et en fait, c'est le Bank of America Tower. Il faut savoir qu'il y a deux endroits où il y a énormément de gratte-ciel, c'est à Midtown et Downtown Manhattan. Et c'est parce qu'en fait, le sol est ici suffisamment solide pour construire des gratte-ciels. Et le Bank of America Tower, d'ailleurs, il y a pas mal de films et de séries qui sont filmés dans cet immeuble, comme The Blacklist, Blue Bloods et plein d'autres films. Excuse-moi, je te coupe un instant. En parlant de séries, il y avait Mélanie qui nous demandait si tu faisais des tours Gossip Girl. je connais tous les endroits Gossip Girl. Mélanie peut venir quand elle veut et tu lui montreras. Bien sûr. Non, mais je connais Gossip Girl. Et d'ailleurs, il y a le sapin Noël dans l'hôtel. Maintenant, le nom m'échappe. Que chaque année, ça vaut le coup d'aller voir. Non, je connais très bien. Je connais tous les endroits. D'ailleurs, ici, pour les gens qui aiment bien Friends, vous voyez le bâtiment qui est juste là. Oui. C'est le bureau de Chandler. Quand il allait travailler, c'est là où il allait travailler. Ici, il y a un tour qui est très connu, que vous voyez de loin. Mais tout d'abord, je vais montrer autre chose. On voit qu'on est ici sur West 43. Et comme tout à l'heure que j'ai expliqué, il y a 220 rues, 12 avenues. Là, on est le côté droite du 5e avenue. Alors, on est le côté ouest. Quand on continue sur la 43e rue, vers la 5e avenue, on traverse la 5e avenue, vous allez voir, on est sur le East 43. En fait, à New York, c'est très compliqué pour se paumer. Parce qu'on peut toujours regarder les noms des rues. Et le seul endroit où parfois ça peut être compliqué, c'est dans le Queens et aussi peut-être Downtown Manhattan.
parce que là, les rues sont dans tous les sens, mais c'est un petit peu parce que c'est là où la ville était créée. Ils ont pris un tout petit peu le modèle européen. Mais après, la Houston Street, là, ils ont commencé à construire vraiment dans le fameux Diagrit qu'on connaît très bien. Le métro à New York, moi, je conseille tout le monde à le prendre souvent parce que c'est efficace et c'est rapide. Il y a 472 stations de métro. Et ce qui est bien maintenant aussi, avec cette pandémie, on peut maintenant très facilement payer avec sa carte de crédit, avec la carte bancaire. Il faut quand même avoir le petit truc avec un Bluetooth sur votre carte bancaire, mais quasiment toutes les nouvelles cartes ont ça. Ou sinon, avec Apple Pay. Et Apple Pay, c'est très efficace. C'est juste sur son téléphone, si vous avez un iPhone. Vous cliquez dessus, vous touchez... vous même pas toucher, vous allez amener ça de près et vous allez pouvoir prendre le métro comme ça en toute sécurité. Maintenant, sur ce bâtiment-là, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Il faut savoir qu'il y a trois endroits où ça vaut le coup d'aller voir le skyline de Manhattan. C'est sur ce bâtiment-là, le Empire State Building, 102 étages, 6500 fenêtres, 72 ascenseurs. Plus de 21 000 personnes qui rentrent et qui sortent tous les jours. Ça, c'est bien évidemment avant la pandémie. Il y a plus de 1 000 bureaux qui sont à l'intérieur et c'est même si grand que ça a son propre code postal. C'est quand même pas mal. Après, il y a Downtown Manhattan, le One World Trade Center qu'on ne peut pas voir d'ici. Et il y a ici, derrière moi, au 6e avenue et la 49e rue, qui est un tout petit peu pas haut. Là-haut, je ne sais pas si vous voulez voir, il y a Radio City Hall. Il y a le Top of the Rocks et bonne nouvelle, il y a deux observatoires qui sont nouveaux à New York. C'est le premier, c'est The Edge que je voulais voir il n'y a pas longtemps et c'est en fait le plus grand terrasse à l'extérieur et le vue doit être splendide là-bas. C'est top. Et il y a un autre qui va ouvrir juste à côté de la Grande Centrale. Mais ce n'est pas encore ouvert et on prévoit ça pour être ouvert l'année prochaine, j'espère. C'est le genre de truc idéal à faire avec des ados, hein, parce que je voyais que Kat nous demandait qu'est-ce que tu conseilles pour des gens qui veulent aller faire des activités, des visites avec un adolescent. C'est top, hein, tous ces gratte-ciels, c'est des vues incroyables. Mais, hein. mais c'est ça qui est génial à New York. En fait, c'est une ville pour tout âge et... pour tout type différent, parce que si on aime bien manger, il y a 22 000 restaurants. Si on aime bien faire du shopping comme Étienne, il peut aller à Soho. Si on veut voir de la culture, il n'y a pas un seul endroit dans le monde où on a un musée comme le MoMA, le Guggenheim. Le Met aussi. Le Met, c'est les musées, même si on n'aime pas l'art, on connaît de noms. Et c'est ça qui est génial. C'est vraiment une ville pour tout le monde et je crois, Guillaume, mais toi tu es mieux au courant que moi, Make Connections a des villes super, surtout maintenant pendant les pandémies, parce que la concurrence est très rude, hein. C'est pour ça que c'est peut-être pas c'est une bonne idée de visiter New York ou déjà de planifier votre visite à New York parce que vous voulez vraiment pouvoir faire des villes incroyables. Il y a quelqu'un qui nous demandait si, ouais. Si tu étais déjà devant Bryant Park, en fait. Fran nous demandait si tu étais déjà à Bryant Park. Ah, mais Fran, regarde bien parce qu'effectivement, là, c'est Bryant Park. On va rentrer tout de suite quand il est vert. Alors, en fait, la première cabine, c'est difficile à voir, mais on va passer devant. Si vous voyez, c'est les gaufres Waffles and Dinges. Et il y a une gaufre, Guillaume, que toi aussi, qui doit goûter absolument. Tu connais déjà cette gaufre, c'est le gaufre d'Elvis. C'est une gaufre avec la crème fouettée ou crème la chantilly, oui. La chantilly, banane et quelques tranches de lardon. C'est fantastique. Mais bon, on est fiers parce que c'est quand même un Belge qui a lancé ses cabines de gaufre ici à New York et ça marche fort bien. D'ailleurs, aussi dans Bryant Park, on a aussi le pain quotidien qui a aussi des origines belges. Ouais, c'est trop bon en hiver, mais j'avoue, je ne sais pas qui a dit ça parce qu'il n'a pas vu le nom, mais il fait quand même super froid en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'à New York, c'est toujours comme ça. On a la température qui est affichée, mais il y a le vent qui est là. Et je crois que maintenant, j'ai l'impression qu'il fait moins 5 degrés. Oui, parce qu'on nous demandait à quelle température il fait là maintenant.
J'ai gardé un petit peu avant la. Je crois qu'il fait 4-5 degrés, mais il y a le feeling, c'est négatif, hein, c'est ça? C'est négatif, oui, c'est bien négatif. Au lieu de voir ma tête, je crois que c'est mieux de voir des choses bien belges, la fierté belge. D'ailleurs, il y a une photo, et j'ai eu l'honneur de pouvoir donner mes livres l'année dernière à ce fameux couple que vous connaissez tous, qui ont bien profité aussi. Des gaufres belges. Du dépaysement de Bryant Park. tout à fait. Là, ici, dans Bryant Park, je crois, mais je ne suis pas sûr que je suis obligé de mettre un masque. Mais bon, on va tester le cas ensemble avec vous, s'ils disent quelque chose. Ce qui est sympathique maintenant, c'est qu'ils ont commencé à avoir le marché Noël, qui c'est toujours très drôle. Parce que bon, maintenant, quasiment tout le monde fait du shopping online, mais le marché Noël, c'est quand même encore une bonne occasion d'acheter ces décorations pour Noël, par exemple. Je crois que c'est toi qui en as besoin, Guillaume. J'ai peur de ce que tu vas nous dire. ouais, bon, je vais... ouais. Mais on est effectivement ici sur le marché Noël, et ce qui est aussi très sympathique, c'est qu'on est dans Bryant Park, où il y a le fameux patinoire. On va voir tout de suite. Bryant Park, c'est en fait le premier parc qui avait du Wi-Fi gratuit. Et maintenant, ils ont même, c'est des petits trucs comme ici. Ils l'ont fermé. Ah, c'est pour l'hiver. C'est pour l'hiver, peut-être. Ou peut-être, j'en sais rien, pourquoi. Mais normalement, on peut charger son téléphone parce qu'il y a des petites outlets pour charger son téléphone et ses portables. Et il y a aussi des toilettes qui sont connues comme un des toilettes les plus propres de New York. Et c'est de ce côté-là. Mais moi, personnellement, j'adore ce fameux Bryant Park parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que l'été, il y a un grand pelouse, un grand jardin. Et en fait, on est vraiment entouré par les gratte-ciels de tous les côtés. Et une petite astuce que je vous conseille pour la prochaine fois, c'est que là derrière, il y a le grand supermarché Whole Foods. Et au premier étage du Whole Foods, il y a une sorte de buffet où on peut acheter assez bon marché des bonnes choses. Et c'est l'idéal l'été ou le printemps d'acheter son petit déjeuner ou le lunch dans le Whole Foods et de venir ici dans le parc pour le manger. Et peut-être après, finir avec une bonne gaufre de Bruxelles, ici, dans le parc. Et le Whole Foods, il est ouvert aussi 24 sur 24 Non, il est online, ouvert 24 sur 24. Ils travaillent maintenant ensemble avec Amazon, que tout le monde connaît. Et en fait, c'est racheté par Amazon Whole Foods. Alors maintenant, la distribution des légumes et des tomates se fait nickel online et voilà. Mais en fait, New York était déjà très bien préparé à ce niveau-là et on a une habitude, une culture de faire du shopping online. Et ça marche super bien. C'est même tellement efficace que quand on commande quelque chose online maintenant, dans les 4 heures de suite, c'est déjà livré chez soi. Oui, c'est incroyable hein, comment ça marche. Ce que je te propose, Patrick, c'est qu'on a une petite enquête qu'on va maintenant lancer. Comme ça, on va un peu savoir dans les participants qui a été combien de fois à New York et quelle est l'expérience sur place. Comme ça, on va un petit peu avoir une idée de ce que ça donne. Et je vois que tu as vraiment froid. Ouais, et on est vraiment désolé de te faire subir ça. Bon, non, moi, non, c'est avec plaisir. Mais donc, ce que je propose, c'est voir si vous avez encore des questions pour Patrick. Et puis tu n'irais pas faire un petit tour en patin à glace pour nous montrer tes talents de patineur? Non, ça, je vais laisser pour toi, Guillaume. Je suis un tout petit peu plus âgé que toi. Pas beaucoup. mais en fait, non, la patinoire, c'est génial. Et comme vous voyez, il y a quand même pas mal de gens, tous avec un masque. Et, d'ailleurs, pour parler un tout petit peu du parc, là derrière, c'est le fameux bibliothèque. Je suis très fier que mon livre est là-dedans également, deux de mes livres. Et en fait, il faut savoir que Bryant Park, à l'époque, ici, c'était un réservoir d'eau, le Croton Réservoir. Et en fait, c'est maintenant la bibliothèque qui l'utilise pour stocker des livres. Et est-ce que toi, tu as une idée combien d'étages en sous-sol il y a stocké des livres ici, Guillaume?
Oh, je dirais beaucoup. Oui, effectivement, 7 étages. Alors, 7 étages en sous-sol, il y a des livres stockés et c'est fantastique. Malheureusement, la bibliothèque est quand même fermée. D'ailleurs, et là, c'est juste à côté. Vous voyez juste la petite pointe. Il y a un bâtiment magnifique. C'est le Chrysler Building qui est complètement art déco, que malheureusement, on ne peut pas visiter à l'intérieur. C'est dans des mains privées. Mais il y a quand même de l'espoir parce que c'est racheté par quelqu'un d'autre qui a d'ailleurs fait une très bonne affaire parce que c'est diminué de prix de moins de 60, de plus de 60%. Il y a de l'espoir qu'ils vont ouvrir aussi un restaurant ou un bar dans le fameux Chrysler Building qui sera ouvert au grand public. Et d'ailleurs, le nouveau bâtiment, encore personne n'a vu, vous êtes les premiers, parce qu'il était encore en construction avant la pandémie, qui est encore en construction à l'intérieur, mais l'extérieur est déjà fini. C'est ce fameux Vanderbilt, et c'est là où ils vont créer aussi une deck observatoire. Je vois ici maintenant, on a reçu les résultats de l'enquête. Et donc, finalement, tu remarques qu'il y a 30% des gens qui sont là qui n'ont jamais été à New York. Et dans ces 30%, il n'y en a que 3 qui ne veulent pas y aller. Donc, ça va. Il y en a 27% qui veulent partir. Et puis sinon, on a plus de 50% des gens qui ont déjà été au moins deux fois. Donc, on a vraiment des fans de New York ici. Et qui, je crois que je suis content que les gens qui ne veulent jamais y aller, qui sont quand même ici dans le tour virtuel. Ouais. Et comme ça, au moins, je peux leur aider à monter quelque chose. Il y a aussi, je ne sais pas si tu l'as dit tantôt, mais il y a aussi en été, sur Bryant Park où tu es, il y a des shows de cinéma, là. Il y a des séances de films, là, c'est ça? Non, effectivement, Bryant Park, c'est vraiment le parc qui est super bien organisé. En hiver, il y a le marché de Noël et la patinoire. En été, il y a un grand écran où ils montrent des films. Il y a des cours de danse. Il y a le yoga qui s'est fait dans le parc. Il y a même parfois des concerts qui sont donnés ici. Et tout est gratuit? Et tout est gratuit. Et il y a des tables de ping-pong qui sont juste là. Il y a un carrousel qui est juste derrière le bâtiment là. Alors, il y a plein de trucs. D'ailleurs, le bâtiment noir, c'est le Radiator Building. Et en fait, c'est un bâtiment parce que le propriétaire à l'époque, c'était un monsieur qui a fait fortune dans les radiateurs et voulait en fait avoir un bâtiment qui ressemble à un boiler. Et c'est pour ça que le truc doré en top, c'est un tout petit peu des flammes. Moi, je ne le vois pas du tout dedans, mais bon, l'idée était là. Et c'est un bâtiment qui est très connu. Et là derrière, le fameux Empire State Building. Il y a encore beaucoup de nouvelles constructions prévues ou des choses qui ont été annulées récemment? Oui, tout à fait. En fait, la ville est tout le temps en construction. Ça n'a pas arrêté pendant la pandémie. Peut-être juste en mois de mars, mais après, ça a repris. Et d'ailleurs, il y a une rue. C'est la 53e rue, c'est tout près du parc central. On appelle ça le Billionaire's Row parce qu'il y a l'un gratte-ciel après l'autre qui est construit et ils sont en train de vendre maintenant les appartements, ce qui n'est pas évident. Mais c'est vraiment des appartements de luxe haute gamme. Et c'est tous des nouvelles constructions. Oui, c'est incroyable hein, quand même. Comme ville, pour ceux qui n'ont pas encore été, c'est on a la tête en l'air, Charles, toutes les premières heures où on arrive tellement que c'est incroyable. Hein. Tout le temps. Moi, au bout de 12 ans, parce qu'il y a à faire 12 ans que je vis ici, encore tous les jours, je découvre des nouveautés. Et c'est un plaisir parce qu'on a l'impression qu'on ne peut jamais terminer avec New York. Et tout le monde a son propre New York parce que je suis sûr, Guillaume, que toi, tu es déjà venu plusieurs fois. Tu as tes endroits préférés et des endroits préférés à se retrouver. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai toujours, ce n'est pas un city trip, mais c'est un voyage du monde parce qu'il y a tellement de gens de toutes les différentes cultures et on peut tomber de Chinatown vers Wall Street, vers Seoul, le shopping et tout ça à quelques blocs de l'un à l'autre. Alors moi, j'ai encore deux questions pour toi avant de finir cette balade pour que tu ailles te réchauffer. La première, c'est où est pour toi l'endroit avec le plus grand esprit de Noël à New York? Je sais que mon épouse se fâchera si je ne te le demande pas, mais il y a Dyker Heights à Brooklyn, je crois, où tu peux voir un quartier où
Tu as énormément de décorations. C'est des maisons qui sont décorées comme s'ils avaient pris de. Mais il ne faut pas oublier que les New Yorkais et les Américains en général, ils sont nés avec. Moi, j'appelle ça le syndrome de Disney. Et c'est qu'ils pètent un câble dès qu'il y a une fête. Mais ils vont à l'extrême. Et Halloween, mais tout le monde porte un costume. Avec Noël, il y a le cannelle. On le sent partout. Et en fait, il y a un quartier un tout petit peu plus haut. Il faut prendre le métro ou le bus où on peut voir tout un quartier où les gens ont fait une décoration de fou. Ça vaut effectivement le coup. Mais bon, moi, l'atmosphère tout près, c'est ici à Bryant Park. Parce qu'on a la patinoire le soir avec les petites lumières. Toutes les petits magasins où on peut balader et acheter une gaufre ou acheter un bon petit souvenir, c'est toujours très amusant. D'ailleurs, il y a un nouveau qui vient d'ouvrir, ça j'oublie, c'est la Hudson Yards. Là aussi, c'est magnifique. Je viens d'y aller, alors si vous ne suivez pas sur Instagram, il faut aller voir. J'étais là en Black Friday, j'ai fait un petit film là-bas. Mais le Hudson Yards, c'est là où il y a le fameux kebab, on appelle ça le vessel. Mais la décoration là-bas est magnifique. Et donc, tout le magasin, c'est un très grand shopping hall. La décoration est merveilleuse. C'est fantastique. Il y a vraiment un esprit Noël. Et peut-être, c'est mon nouveau endroit favori parce que c'est à moitié à l'intérieur et à moitié à l'extérieur. Ok, top. Merci de partager ce petit secret. Ma dernière question, c'est de Christelle, qui avait prévu de venir aux vacances de Pâques de 2020. Et elle nous demande quand tu penses qu'on va pouvoir revenir. C'est difficile à dire, mais moi, je crois, si on est peut-être les vacances de Pâques l'année prochaine, si on est vraiment optimiste. Mais je crois que plutôt, quand le tourisme sera vraiment comme avant, il faut attendre encore un an. Tout dépend le vaccin et tout dépend si tout le monde va prendre le vaccin ou pas. Et parce que voilà. Mais bon, je suis pas un expert, je suis pas médecin, je suis pas virologue. C'est difficile à dire. Mais moi, je crois, c'est un tout petit peu. New York est prêt. New York est impatient. New York a pris plein de précautions. Je crois que peut-être les vacances de Pâques l'année prochaine ou sinon un tout peu plus tard. Ok, Patrick, je voudrais te remercier. Je crois que on va avoir maintenant un écran qui va apparaître où vous allez avoir la possibilité d'éventuellement te payer un café parce que je crois que tu le mérites bien avec tout le froid que tu as ici. Je voudrais vous remercier à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de se balader à New York. Je crois qu'on a tous très, 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 très envie d'être de retour et d'aller faire des balades avec toi et puis d'aller voir plein d'endroits. Donc, Patrick, je te souhaite une belle journée parce que tu as encore quelques heures devant toi. Nous, on va aller à l'apéro ou aller manger. Je te dis à bientôt. On va vous répondre encore aux différentes questions et partager ton Instagram, Patrick, et différentes informations. Et vous allez voir que si vous avez encore des questions à poser à Patrick, vous pouvez toujours le faire via son Instagram. Je crois que c'est un bon moyen. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et Patrick, à bientôt. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Salut, prends soin de toi et à plus. Ciao, ciao, à plus. Salut, ciao. Salut, ciao.